Diane Bélan, bienvenue à cet atelier de technique mixte. Je suis artiste peintre et je travaille depuis 11 ans avec Mélanie Poirier dans cette galerie qui est magnifique, donc permanente à cette galerie. Aujourd'hui, nous allons traiter de technique mixte, bien sûr, et celle que j'ai choisi de vous présenter, c'est du 3D, de la 3 dimensions. Parce que souvent, en peinture, on fait la dimension, les épaisseurs avec la peinture. Cette fois-ci, c'est vraiment avec des matériaux qui vont donner vraiment une impression là, de texture et de volume. Alors, pour commencer, je vais vous présenter les matériaux qu'on va utiliser. Les matériaux, il y a des objets de récupération comme des cartons, hein, des cartons de boîtes, des cartons d'objets de recyclage. J'ai aussi un livre que j'avais qui était un peu abîmé, qui a un papier un peu jauni, que je trouvais intéressant, qui est d'une texture un peu là, de papier parchemin. Je vais m'en servir pour faire des fragments, pour travailler sur la fenêtre que vous voyez là en ogive. Colle. J'ai du vernis médium acrylique, Liquidex. J'ai aussi cette colle-ci qui est une colle qui colle à peu près tout, mais de façon très rapide. Je l'ai utilisée aujourd'hui parce que, comme c'est une matière qui est assez lourde, on s'entend, mais c'est un petit objet là, qui a besoin d'être collé rapidement parce que la colle blanche, ça peut faire l'affaire aussi, mais c'est un petit peu plus lent là, de séchage. Ça prend le temps de séchage un peu plus long. Bien sûr, efface, aiguisoir, c'est toujours utile avec les crayons de mine. J'ai utilisé les crayons, des crayons HB parce que sur le bois, parce que c'est d'ailleurs, on va travailler sur une surface de bois plus rigide parce qu'au niveau du collage, si on colle des matériaux, il y a une résistance qui est beaucoup plus grande que sur de la toile ou sur du papier. Alors, c'est pour ça que j'ai opté pour des tableaux en bois. Ciseaux. Pinceau. Dans les pinceaux, j'ai pris une brosse. J'utilise beaucoup la brosse. Je trouve que c'est une forme intéressante pour étendre, coller. J'ai aussi des tout petits pinceaux là, pour faire les détails. Les acryliques. Alors, j'utilise le bleu de Mars. Terre d'ombre brûlée. Terre de sienne brûlée. Et A. Dans ces formats-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des peintures qui sont assez pâteuses. C'est appréciable pour la façon que je travaille, parce que je travaille beaucoup avec du polymère. Donc, c'est intéressant d'avoir plus une pâte qu'une peinture, parce que dans cette marque-là, c'est intéressant aussi, mais elle est un petit peu plus liquide. Alors, pour ce qu'on fait aujourd'hui, j'ai choisi ceci. Des crayons aussi, un crayon gras qui écrit sur toute surface. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on met de la peinture, si on travaille avec peinture et ce crayon-là, il ne se dilue pas, il ne s'étend pas, il reste vraiment, la ligne reste vraiment droite. Donc ça, pour ce projet-là, c'est intéressant. Ensuite, une spatule pour lorsqu'on fait du collage. Exacto, ciseaux, petite guenille. J'ai aussi un bassin parce qu'on va faire un bassin d'eau chaude, tiède. On va faire du transfert d'image. Le projet commence avec, dans mon cas, je feuillette les vieilles revues, je regarde les choses des fois qui me sautent aux yeux. Et cette fois-là, c'était les fenêtres en ogive que j'ai trouvées intéressantes. Alors, j'ai découpé fenêtres en ogive. Et je vais l'utiliser en faisant du transfert d'image. Le transfert d'image, c'est l'application de 5 couches de polymère sur la surface où il y a la photo qu'on veut garder. On applique 5 couches de polymère en laissant bien sécher entre chaque couche. Et ensuite, on peut enlever le papier qui est en dessous. La façon de le faire, c'est qu'on prend un bassin, on trempe notre image quelques minutes. On laisse tremper. Et ensuite, avec un frottement, on enlève le papier en dessous et on se retrouve avec une image comme celle-ci, qui est un peu translucide, mais qui donne quand même à voir là, une transparence. Alors, j'ai mon image qui est en transfert. J'en ai même deux. J'ai pas pris de chance. J'ai pris mon carton.
un carton assez rigide quand même. J'ai pris une épaisseur qui est moyenne. J'aurais pu aussi le doubler. Si on veut faire du relief, on peut en faire aussi du relief un petit peu plus important. Et à ce moment-là, j'aurais pu le doubler. Dans ce cas-ci, j'ai décidé de le faire juste une épaisseur. Donc, j'ai dessiné ma forme. Je l'ai appliqué. J'ai fait le contour à la mine. Découpé à l'exacto ou ciseaux. Ce qui est important quand vous découpez, par exemple, c'est d'avoir une surface rigide, planche à découper d'art ou une planche en bois pour que vous puissiez appuyer là, vraiment fermement. Et je me suis retrouvée avec cette forme-là, la forme de la fenêtre. Avant d'appliquer mon image qui est en transfert, j'ai décidé de prendre des morceaux, des fragments de revue, comme ceux-ci, et de les coller avec le polymère sur la surface. Alors, le polymère. Alors, quand on a notre carton qui est découpé, c'est un carton, comme je vous disais, qui est relativement mince, mais qui va quand même donner l'effet d'épaisseur qu'on recherche. Alors, sur ce bout de carton-là, je vais appliquer les fragments d'image, d'écriture sur le carton. Je le fais avec à l'aide de la colle, avec la brosse. Alors, ce qui est important, c'est d'appliquer cette colle-là, ce vernis-là, sur les deux surfaces. Donc, je l'applique sur le carton et je l'applique sur le papier. C'est ce qu'on appelle la technique du marouflage. Alors, j'applique. L'important, c'est de vous assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air. Donc, on peut, pour être plus sûr, prendre notre spatule et venir du milieu, toujours vers l'extérieur, pour s'assurer là, qu'il n'y a pas de bulle d'air. Je continue, je prends un autre fragment. Comme je vous disais, ce qui était important dans ce cas-ci, c'était que c'était de l'écriture et non nécessairement le sens de la lecture. On ne lira pas nécessairement ce texte-là. C'était donné pour l'illusion que la fenêtre, que les mots étaient retenus par la fenêtre et que c'était un peu une impression là, de la présence humaine dans un lieu. Alors, j'y vais comme ça. Ce qui est important aussi, c'est que les bordures soient bien collées. Donc, je mets du vernis. Et là, je viens l'appliquer pour vraiment faire le contour, comme ceci, pour que mes bordures ici soient bien recouvertes. Sur les deux parties et je continue. Et ça donne ceci. C'est ce qui va nous servir d'appui pour notre image, notre transfert d'image. Vous vous souvenez qu'on l'avait découpé? Là, l'important quand on fait le transfert d'image, c'est que bon, les cinq couches ont été mises, c'est de le tremper dans une eau tiède chaude pour pouvoir qu'on puisse défaire le papier. Alors, ce que je fais, c'est que j'appuie, j'essaie de l'essuyer, et là, avec des mouvements de rotation avec le doigt, je viens enlever le papier. Doucement, parce que ça demeure un petit peu plus fragile, parce que là, ce qu'on va faire, c'est ça va être comme une peau de vernis. Ça donne ceci, comme ça ici. Alors, on peut retremper aussi pour s'assurer là, que... Alors, le papier s'enlève de cette manière-là,
comme on peut voir, là, ça commence à apparaître la transparence. Je peux le retremper, m'assurer là, que c'est bien fait. Et on obtient ceci. Ça, ça va être appliqué sur notre carton, toujours en marouflage. Donc, un peu de vernis, et s'assurer qu'on va bien. J'applique le vernis sur toute la surface. J'applique sur l'endos. Et là, c'est aussi encore plus important, là, vraiment, de m'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air. Ce que je ferai après, c'est que je viendrai teindre les côtés. C'est important la lumière aussi parce que parfois, selon la lumière, des fois on ne voit pas toujours les bulles qu'on a oubliées. Alors, s'assurer là, vraiment. Et on laisse sécher complètement. Alors, ça, c'est notre partie pour notre image. Donc, on va servir à la troisième étape seulement. Maintenant, sur notre image, il y a une série de personnages dans le bas du tableau qui sont faits à partir de pochoir. Alors, le pochoir, c'est une façon de travailler pour avoir une forme à peu près identique ou semblable et qu'on peut utiliser là, vraiment de façon pour multiplier l'élément qu'on a tracé. Alors, ce que je prends, c'est que j'ai pris des cartons pas très épais, mais quand même avec une certaine rigidité parce qu'on va s'en servir avec de la peinture, donc avec de l'eau aussi. Donc, c'est important qu'un papier trop mince ferait qu'il se déchirait. Donc, un carton. Avec mon crayon, je viens dessiner un personnage. Assez sommaire, c'est pas obligé d'être un personnage là, bien. Il est défini, mais quand même pas. J'ai mon personnage comme ça. Je peux en faire quelques modèles différents. Ensuite, avec l'exacto, je vais venir le découper. Donc, sur une surface rigide, je viens découper ma forme. Est bien découpé. Des fois, ça prend. Il faut s'y reprendre à deux reprises. Je me retrouve avec des formes comme ça découpées. L'important, c'est aussi de garder ça. C'est ce qu'on appelle une forme en négatif parce que je vais travailler avec l'ombre. Et ça, c'est en positif, ces petits bonhommes-là. Alors, je garde les deux parce que je peux me servir là, des deux formules, soit que je décide de faire le contour ou je fais le contour avec celui-ci. Donc, je garde mes quatre morceaux qui vont me servir dans quelques instants. Alors, ça, c'est fait. J'ai mes pochoirs. J'ai mon image. Ça, c'était des exemples. C'est mon image qui a été transformée. Là, je vais m'attaquer à la pointe. Important, bien... Bien tremper vos pinceaux pour pas que. Et voilà, c'est côté. Alors,
c'est pas très compliqué quand on a une forme carrée de placer notre image. J'ai choisi un carré parce que je trouvais que c'était, ça rebondissait bien donc, au niveau de ce que j'avais choisi. Donc, sur cet espace-là, je vais venir travailler avec ma forme d'abord. Je vais la placer dans l'espace. Elle est comme assez centrale et plutôt vers le haut. Je vais venir la tracer au crayon de plomb pour me donner un repère dans mon image. Je l'ai tracé au crayon de plomb. Ce qui est bien avec le crayon de plomb et le bois, c'est que si on fait une petite erreur, je ne l'ai pas bien placé, ça me plaît moins, ça s'efface bien. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Là, que... Voilà, ça va me donner mon point de repère. Ensuite, j'ai placé les personnages dans le bas de l'image. Donc, je vais me servir de mes pochoirs et je vais venir placer les personnages comme si c'était une réunion de personnages qui était à une assemblée, qui était à une réunion, qui marche sur la rue. Alors, ça va être une suite de personnages. Alors, j'y vais, je trace. Il peut y avoir des rencontres. Je fais les contours. Je peux en mettre un qui est un petit peu plus en retrait. Il peut y avoir comme un couple au centre. Ensuite, je vais rajouter des détails. Alors, mon personnage ici, on le voit. Je vais vous montrer celui-ci parce que ça, c'est la prochaine étape. Ça va être peut-être plus visible. Alors, il y a un personnage qui tend la main. On va le retravailler comme ça. On peut lui donner plus d'ampleur. Imaginez, son bras passe comme ça. Ensuite, ceux-ci se tiennent la main. Ceci, elle lui donne la main. Une grande jupe longue. Le personnage. J'aime moins ça. Et ces deux-là, ben, ils jasent. Une rencontre, ils ne sont pas 2 mètres quand même, mais c'est parce que c'est des couples. Ensuite, j'ai mis des lignes d'horizon parce que ce que je trouve intéressant avec les lignes d'horizon, c'est que ça situe un peu l'espace. Ensuite, il y a les arbres dénudés. Là, on peut s'imaginer qu'on va mettre à l'automne. On va mettre un peu d'écorce. Ensuite, de l'autre côté. Terminer nos lignes. On va en mettre un autre ici. Ça donne la perspective un petit peu. Ça met des assises aussi pour les personnages. Ils ne sont pas dans le vide, ils sont sur une surface. Alors. Ce que je fais après,
c'est que je vais utiliser le crayon dont je vous parlais tantôt, qui est le crayon gras. Ce qui est intéressant de ce crayon-là, comme je le disais, c'est que quand vous l'appliquez et que vous travaillez après ça à l'eau par-dessus, il n'y a, y a aucune chance qu'il se dilue. Ah, c'est intéressant, c'est des crayons là, qui s'aiguisent au fur et à mesure. Là. Quand vous êtes habillé, moi, des fois, je manque beaucoup. Alors, on enlève le papier, on se retrouve avec... Et là, je vais venir passer sur mes traits que j'ai faits. C'est pour ça qu'on le fait à la mine, parce que la mine, elle s'efface, lui, difficilement. Donc, il faut être un petit peu plus assuré là, que ce qu'on a choisi de faire. Alors... On a terminé de tracer nos personnages. On revient là aussi avec le crayon gras. C'est ce qui nous permet là, d'avoir une ligne un petit peu plus assurée parce que le crayon gras, lui, ne s'efface pas vraiment. Alors, donc, c'est important là, quand le crayon à la mine, lui, s'efface bien. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, on refait nos personnages, on refait notre espace, on refait nos arbres. Je peux faire la texture un petit peu. Comme vous voyez, ça va être à la fin, le projet va être un peu comme nébuleux. Donc, c'est même s'il y a des choses qui ne sont pas précises, dans ce projet-là, il va se fondre avec la peinture. Donc, c'est on n'est pas obligé d'être très précis. Ça. Alors, on a fait ça. Donc, on est revenu et on a fait nos personnages sont là, nos arbres, la fenêtre sera faite à plus loin. Première couche, peinture. Je suis allée avec peinture, où je mets mes lunettes parce que c'est la terre de sienne brûlée, celle-ci. Alors, comme je vous dis, c'est une peinture épaisse, donc j'en ai vraiment... Ça, c'est la terre dont je trouve. C'est celle-là que je veux. Terre de sienne. Alors, j'y vais. Vraiment, juste avec ça, je peux faire presque toute la surface. J'y vais avec le polymère. Je prends presque autant de polymère, sinon plus que le pigment. Alors, comme vous voyez, j'en prends. Pas beaucoup, juste un petit peu. Et je viens avec ma brosse appliquer. Je peux décider d'en mettre des fois un petit peu plus. Parfois, quand je trouve que c'est comme un peu trop, je peux venir avec ma guenille, outil vraiment indispensable, la guenille. Et des fois même, je peux y aller comme un petit peu par-dessus, ce qui va donner de la texture aussi. Ici, même si je dépasse, comme ça va être collé, ça va. Ma première couche est donnée. Maintenant, je vais y aller avec le terre d'ombre. Le terre d'ombre brûlé. Un petit peu plus foncé, comme vous voyez. Bol d'eau toujours essentiel pour pouvoir... Parce que ça sèche assez vite, l'acrylique, là. Je ne veux pas trop d'eau non plus. Parce que je ne veux pas diluer mon polymère. Et là, j'ai
accentuée à certains endroits. Des fois, on peut donner aussi des... je peux y aller avec ça ici. On peut donner des... On peut venir comme étamper pour donner des textures. Comme ça, je peux... On y va avec les doigts. Je fais aussi souvent des contours. Les contours du tableau en même temps pour avoir les mêmes teintes. Donc on fait ça. Comme vous voyez, c'est comme à mi-chemin de ceci. Alors, pour arriver à avoir à peu près la même teinte que ça, je vais utiliser cette fois-ci le bleu de Prusse qui va venir accentuer là, les formes que j'ai choisi de mettre et donner un côté un peu plus ténébreux, un petit peu plus, un peu plus sombre. Ce qui va donner... Oups! Ce qui va donner à l'ensemble... Beaucoup d'effets quand je vais mettre la fenêtre, la lumière de cette fenêtre-là. Alors, le bleu de Prusse est un bleu assez foncé. Souvent, au lieu d'utiliser le noir dans mes tableaux, je vais mêler terre d'ombre et bleu ensemble. Ça fait un noir, mais un noir plus dense. Parce que parfois, je trouve que le noir, c'est un peu trop tranchant. Alors, des fois, souvent, ce que je vais faire, c'est que... Je vais mêler les deux ensemble. Alors, toujours avec du polymère. Et là. Je vais étendre mon bleu en accentuant certains endroits. En y allant de façon moins dense à d'autres. Et les personnages ne disparaissent pas vraiment, mais ils se fondent avec le paysage. C'est ce que je veux obtenir. J'essaie de m'imiter. J'essaie de refaire ce que j'ai fait. Jamais tout à fait la même image. Hein. C'est pas de la reproduction systématique, disons. Bon, on va y aller aussi avec une petite bleue ici. C'est sensiblement. Hein, ça se ressemble pas mal maintenant. À quelques détails près.
Parfois, c'est nécessaire d'avoir un certain recul avec ce qu'on fait parce que quand on a le nez collé dedans, des fois, on ne voit pas tous les détails, on ne voit pas nécessairement des fois, il y a des déséquilibres. On fait « Ah, j'ai oublié un petit bout là. » Donc. Alors déjà, on voit que hein, le centre, la lumière vient chercher notre regard et là, on baisse le regard puis on voit le reste des détails des personnages, du paysage. Alors, je vais laisser sécher un petit peu. Là, on avait terminé tantôt là, d'enlever notre papier. On avait préparé notre fenêtre avec l'écriture. On a notre image et on va l'appliquer dessus. Alors, je vais mettre c'est important d'avoir un pinceau propre. J'en ai un autre, un petit ici, je vais prendre celui-là pour être sûr que j'ai pas de couleur. Ça va être important de. Ah, c'est vrai. J'avais apporté cette colle-ci pour que ça soit plus. Que ça adhère plus facilement. Parce que le polymère, ça serait collé, mais c'est juste que, bon, compte tenu du temps qu'on a, avec cette colle-ci, ça adhère très, très, très bien, très, très rapidement. C'est une colle exprès pour coller des matières, coller. Des roches, des sequins, des paillettes. Je l'applique. Ici. On est à peu près comme ça. Là, je vais avoir des petites retouches à faire sur les côtés. J'ai pris un plus petit pinceau pour ne pas déborder. Voilà. Ensuite, j'applique. Je vais prendre celui-ci. Celui-là, je vais y aller avec un polymère. De façon généreuse. L'importance de récupérer, de recycler, de regarder ce qu'on a chez soi, les revues, les livres, les cartons. Un des cartons que je trouve le plus intéressant à travailler, surtout quand on travaille avec des enfants, c'est les cartons de boîtes de céréales. C'est un carton rigide, mais c'est un carton assez mince, ce qui fait qu'il se découpe assez facilement, même pour des petites mains. Et il fait vraiment bien le travail parce que souvent, on découpe, on fait des formes, des maisons, peu importe, et ils se tiennent. Les cartons, comme je vous ai montré tantôt, comme celui-ci, c'est un petit peu plus rigide pour les petits-enfants. Pour les plus vieux, là, c'est sûr que ça va, les cartons de boîte. Mais boîte de céréales, là, si je n'achetais pas ça, c'est vraiment quelque chose de bien, bien utile. Si vous voulez qu'il soit un peu plus imperméabilisé, vous appliquez ce qu'on appelle le gesso, qu'on met sur les toiles pour les imperméabiliser avant de commencer à peindre. Bien, vous pouvez faire la même chose sur les boîtes. Habituellement, si on le met sur les deux côtés pour que le carton ondule pas, et ça fait vraiment des bonnes toiles pour travailler avec nos tout-petits, avec nos plus grands, même avec soi-même. Oups! J'aille doucement pour le déplacer.
Ben, j'ai les doigts pleins de colle avec ça. Vous voyez, la fenêtre, elle est déjà sèche, elle est déjà collée, ça, c'est assez rapide. Alors voilà. J'ai encore des petits étreintes hein, sur les côtés. J'ai choisi cette fenêtre-là parce que je trouvais ça intéressant par sa structure d'ogive qui donnait à montrer un petit peu les lieux de rassemblement d'une certaine époque. L'image que vous choisirez sera probablement bien différente, mais laissez-vous porter par cette image-là. Souvent, c'est intéressant vers quoi ça nous amène. Voilà. Que les côtés sont bien faits et on obtient sensiblement la même chose. Alors, le bas-relief, on appelle ça le bas-relief parce que ça sort de la toile, ça sort du tableau, mais ça reste plat et c'est surtout une petite élévation. On appelle du haut-relief quand on applique quelque chose sur une surface plane et que ça sort vraiment de façon là, exagérée. Ça peut être une trompe d'éléphant, ça peut être... Alors ça, c'est, on appelle ça du haut-relief. Celui-ci, c'est du bas-relief. Alors, voici pour ce projet là que j'ai appelé lumière. Transfert d'image, peinture et bas-relief. Alors, merci d'avoir assisté à cet atelier de technique mixte. Je vous invite à vous rendre sur YouTube, sur MP Support. Il y a d'autres ateliers que j'ai donnés sur les techniques mixtes aussi, très différentes. Et n'hésitez pas à les partager, à les commenter. Il nous fera plaisir de vous répondre. Alors, merci et à une prochaine.